les filles, il est 23h12. Je suis censée faire un hammam. Et genre, j'ai fait... En vrai, là, je suis en train de me dire que ma sœur, que mon autre sœur, que la copine à ma sœur, on a fait 40 minutes de route pour faire un hammam nocturne. Genre, tout pour un hammam. Et en fait, je crois qu'ils font plus que des hammams. Ils font les ongles, les cils, les mi et tout. Genre, en gros, tout pour se mettre un flic avant l'Aïd et tout. En plus, je vois des bombes sortir. Genre, ça se voit, elles ont fait leurs cheveux et tout, machallah. Donc là, j'attends mes sœurs. Et ça y est, après, on va au hammam, les filles. Mes girls, pendant le ramadan, je suis éclatée au sol. Tout à l'heure, je suis partie donc, au restaurant où je vous ai dit. Donc, chez Kiki. Et bref, c'est trop bon là-bas. J'ai essayé de manger correctement et tout. Franchement, j'ai fait un petit écart, les filles. Franchement, je vais pas mentir. J'ai mangé un tiramisu. Et il m'a dit, mais je sais pas reconnu. Il m'a dit, mais t'es tout le temps brushingé, tout, tout, tout. J'ai dit, écoute, c'est la dégaine du ramadan. Donc là, j'espère, là, en fait, de toute façon, vous avez vu, j'ai commencé à faire mes sourcils, j'ai fait mon visage. Là, je vais faire mon petit hammam. Je vais remettre un petit peu mes cils et tout, parce que là, mise à jour, mise à jour. Bon, on est sur deux sœurs sur trois. Il en manque une. Bon. Les filles, donc du coup, en fait, c'est une nocturne aujourd'hui. Donc, bien entendu, je vais vous mettre l'adresse. Et ils font une nocturne demain, apparemment. Donc, celles qui veulent faire un hammam avant l'Aïd et tout. Elles sont ouvertes normalement jusqu'à minuit, si je me trompe pas. De toute façon, je vais prendre toutes les infos. Et oui, je vais vous mettre l'adresse juste après que j'ai fait mon petit hammam. Vous inquiétez pas. Les filles, un hammam comme ça ou rien. Propreté, service. Et il te gomme d'une manière, ça y est, c'est 10 sur 10, ça y est, c'est mon hammam, les filles. De toute façon, vous savez, moi, là où je vais, j'aime le hammam. Je vous en avais proposé un quand j'étais à Genève, quand j'étais à Dubaï, je vous donnais mes meilleures adresses. Et là, cette adresse, elle est indétrônable. Même si j'ai fait un petit peu de route parce que c'est pas à côté de chez moi, je vous jure, je viendrai tous les 15 jours le vendredi. Regardez, les filles, quand vous sortez du hammam, un peu de pour. Qu'est-ce que ça fait du bien, les filles, je suis trop contente. Là, je vais m'habiller, je suis trop bien, les filles. Mon Dieu, donc là, il y a les hammams nocturnes et toute la journée, elles sont ouvertes demain, les filles. Franchement, venez. Là, je vous ai dit adresse sûr. Vous savez, de toute manière, moi, les hammams, ça me connaît. C'est pas du petit hammam, c'est du grand hammam. Hey, les filles. C'est de la bombe atomique. Je vais vous mettre l'adresse dès que j'ai terminé. En plus, je passe au coiffeur juste après. Ils font des nocturnes. Il y a les vêtements d'Al-Aïd. Vous avez le coiffeur, les ongles. Vous faites tout ici, les filles. Vraiment tout ici. C'est trop bien. Les filles, je vous explique. En fait, je me suis fait un gros problème dans ma vie. C'est que j'ai trouvé ça et j'ai trouvé mon coiffeur. Des wavy tapeurs, vraiment. Et incroyable. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui me coiffe ma mèche comme ça. Non mais le volume et tout, on en parle. Donc, hammam brushing, 10 sur 10 les filles, c'est-à-dire ça y est. Oh, incroyable. Regardez le volume et tout. Non, j'aime trop. Je suis trop contente. Les filles, je suis fatiguée, j'ai fait le meilleur hammam, mais vraiment, je vous mets l'adresse juste après. Elles sont en nocturne demain, elles sont en nocturne le vendredi, elles font tout, tout, tout. Le coiffeur, il est exceptionnel. Mais quand je vous dis exceptionnel, c'est exceptionnel. La base. Mais vraiment, la base, base, base. Vous savez, de toute façon, je vous valide pas une adresse si je ne l'ai vraiment pas kiffé. Là, je l'ai kiffé, surkiffé, surkiffé, surkiffé. 10 sur 10, le hammam. Incroyable, le brushing. Incroyable, l'accueil. Trop, trop bien. La propreté, vraiment top. Les filles, je suis venue par hasard. C'est mes sœurs qui m'ont trouvé. Et je suis obligée de partager un commerce comme celui-ci. Parce qu'en plus, c'est nouveau, etc. Et vraiment, 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 du fond du cœur. Elles ont du mérite, c'est du travail, mais du service qualité top, top, top. Mes girls, j'ai fait mes cils, bon vous le savez, je cherche toujours genre au top du top dans tout ce que je veux faire, c'est-à-dire les coiffeurs, les hammams. Et là, les cils, j'ai trouvé, encore une fois. Donc forcément, ça fait un mois que je suis là, donc il fallait absolument que je trouve la technicienne. Et là, je l'ai trouvé, les filles. Donc, travail juste incroyable et travail ultra rapide et parfait, fait à la perfection.
pleurer, les garçons du 9-3 sont comme ça. Chérie, faut pas pleurer, les garçons du 9-3 sont comme ça. Ah, ils sont comme ça, 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 ils sont comme ça. Les filles, comment ça va en ce dernier jour de Ramadan? T'as fait le Ramadan? Est-ce que t'as... Ah, c'est super mal! Waouh! J'espère que vous allez bien, mes gars. Franchement, j'ai fait une petite mise à jour là, un petit peu quand même. Donc, voilà, hier, j'ai fait un bon petit hammam encore une fois. Il est validé. Il y a eu plus de 5000 captures sur le hammam quand même. Donc, j'espère que ça se passe bien là-bas. Et après, je pense que vous avez dû les garder l'adresse et tout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait mes cils, ça m'a fait beaucoup de bien. Là, on va faire à manger, on va manger pour le dernier repas. Je suis très contente parce que j'ai tenu ma diète, j'ai perdu du poids. Toutes mes copines tout à l'heure, en plus, on a fait les cils entre copines parce qu'on avait pris... En fait, on les a tous en même temps, quoi. Et du coup, on discutait. Et tout le monde m'a dit, franchement, quand même, t'as perdu du visage et tout. Donc, c'était vraiment le but que je voulais. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Superman! Regardez, attendez, je vais vous montrer Superman! Donc du coup les filles, voilà, j'espère que demain Oh mon dieu, il y a Superman, les filles, je peux pas parler. Attendez, je m'occupe de Superman et après je vous reprends. Bon mes girls, concernant du coup les sérums dont je vous avais parlé, vous êtes beaucoup à me redemander du coup un code.